Eh oui, effectivement, les psaumes, ça me dit quelque chose. Ça fait déjà un bon moment que je me balade à travers les méandres de ce livre de la Bible et je peux vous assurer qu'il contient des trésors que j'ai jamais fini de m'approprier. Ces prières d'un passé bien lointain, parce que oui, ce sont des prières, ont un attrait particulier pour moi. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, c'est simple. Je me sens chez moi en priant les psaumes. Ben, non, pas les 150 quand même. J'ai mes préférés. Et c'est ça que je veux partager avec vous au fil des semaines. Ce qui fait que je me sens chez moi, c'est que je m'y retrouve. Dans ce texte, on découvre le vécu des auteurs. Et j'ai bien dit les auteurs. D'ordinaire, on les attribue, les psaumes, au roi David, parce qu'il en a composé plusieurs. Mais il est également vrai que d'autres personnes ont contribué. Des poèmes, prières, chants, les psaumes sont tout cela. Et c'est de là qu'il vient le mot psalmodie, qui signifie chanter sur un ton unique avec un minimum de variation dans la voix. À travers l'histoire, les moines et les moniales se sont accompagnés pour les chanter d'une cithare ou une harpe. Ce qui fait que je me sens chez moi en les priant, c'est qu'on y retrouve de tout. Oui, toutes les émotions, les sensations qu'évoquent et même provoquent nos expériences quotidiennes, on peut les retrouver dans ces textes. On peut retrouver la joie, l'émerveillement, l'anticipation, l'espoir, mais aussi la crainte, la douleur, le regret et même le désespoir. Les psalmistes présentent tout cela à Dieu. Ils ne font pas le tri. Ils n'expriment pas seulement ce qui convient de dire à Dieu. Ils ne censurent pas ce qu'ils ressentent, pour ainsi dire. Et croyez-moi, il n'hésite pas à mettre Dieu sur la scène, en mettant sur lui la responsabilité de leur malheur. Ces gens, considérés comme des amis des dieux, lui confient tout ce qu'ils ont dans le cœur. Et moi, qui désire devenir une amie des dieux, je me dis que je pourrais en faire autant. Lui confier tout ce que j'ai dans le cœur et même ce que j'ai sur le cœur. Donc, à mercredi prochain, alors que je vous partagerai le premier des psaumes de mon choix. Existi in eterna misericordia e divinare tu in cenis, preda la vita veritas tua di nemi.